autor de Pocahú, ¿no? Contest, spiritual. Apôtre. Apôtre, prophète, prophète, autorité. Amen. Le Seigneur a fait cette promesse par lui. Il dit, et il lui a dit d'aller à l'adoration et de demander. Et nous sommes allés effectivement. Applaudis le Seigneur Jésus. Et nous avons demandé à l'immigration. Il est allé maintenant, en Israël avec notre maman, il est revenu maintenant. Vous avez filé, j'ai douté. Au nom de tous les pasteurs, et missionnaires, dans le ministère Miel, et au nom de toutes les églises qui sont sous notre autorité, nous souhaitons la bienvenue. Amen. La bienvenue à notre papa et à notre maman. Yeah.
la vision. Réjouis-toi. Amen. Les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé. Amen. 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 Donc, pour les missionnaires, amen. Mais les que Dieu vous aide. Quand vous êtes arrivé, vous ne serez plus jamais à deux personnes. Vous êtes à moi. Alléluia. Vous êtes ma vie. Vous êtes tout pour moi. Bienvenue. Et tout le monde. Amen. Alléluia. Et vous êtes bien. Le ministère de n'est plus au même niveau. Amen. Ce n'est pas avec eux, Anastasie, qu'il faut voyager. Avec vous, Anastasie, qu'on va y trouver. La Bible est bien. Alléluia. Je vous salue tous. Ce que mes yeux ont vu, ont créé la scène. Nous la Bible nous dit non, ce n'est pas une histoire, c'est du réel, il n'y a pas de niveau, il croit. Si tu lui as un verset, ça, c'est une réalité. Premièrement, voilà. Tu la lis et que tu vois ces paroles-là. Jésus est donné. Quasiment autant de mille. J'ai eu peur de Dieu. Nous pourrions nous en la vie, c'est Amen. À partir de vous, vous êtes millions. Thank you.
la joie. Non, venez. Je vous le trouverai dans la paix. Donc, nous allons chanter avec vous. Maintenant, Jimmy, et pour les signes, pour que nous soyons partis. Yeah.
Israel. Si puede poner el estudio de un mundo, Israel sabe que dice eso. Si no le toca, a un día, a un día, a un día, a si quelqu'un est quelque chose, il n'a pas de problème. Ça se voit à travers ses actions. Il n'a pas de problème. À travers sa parole. Donc il y a quelqu'un et toi-même. Non, je suis sûr qu'ils sont allés. Pour savoir, ils sont devenus. À mon moment, il est dans la tête pour toi. L'amour que. Et maintenant,
Parce que il sait que après ce voyage, les choses vont décoller d'une manière extraordinaire. Papa, vous avez éprouvé une grande sympathie pour l'Église en général et chacun de vous en particulier. Malgré la superstition et la vérité, vous n'avez pas hésité à payer le prix pour nous, avoir gardé auprès de vous contre vents et marées en Dieu. Ce prix, vous l'avez accepté sans aucun regret pour l'amour du Seigneur. En ce jour où votre ministère franchit un nouveau palier, avec cette visite en terre sainte d'Israël, où s'est déroulée l'histoire plurimillénaire et où se sont produits les principaux événements liés à la naissance et à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi que celle des anciens prophètes et apôtres avant vous. C'est pourquoi vous avez tenu à mettre pied sur cette terre. Comprenons à quel point cette visite en ce lieu est un point de référence spirituel. Du haut de cette tribune, nous vous souhaitons à vous et à notre maman la bienvenue. Shalom. Merci beaucoup, visite la porte. Lorsque nous voyons le peuple de Dieu, notre joie est grande, notre joie augmente. C'est à cause de tout que nous sommes. C'est à cause de vous que Dieu nous a envoyé dans le monde pour nous servir. Que toute la gloire revienne à Jésus. Moi je remercie Jésus. Parce que je vois le peuple de Dieu dans la joie. Je remercie le Dieu qui nous a conduits en Israël, la terre promise. Et il nous a encore ramenés. Nos pieds ont foulé la terre promise. Les promesses que Dieu a faites à chacun de vous, ce sont déjà accomplies. Je me demande que vos prières ont été exaucées. Le Seigneur a voulu et il va vous aider. C'est lui qui est mon dirigeant, c'est lui. Je remercie Dieu pour sa vie. Yeah.
au nom de Jésus. Assis-toi, assis-toi. Alléluia. On doit pas nous venir, nous les fêter, nous les aider. Il attend seulement que vous le respectiez. Et pas bon, mais si vous si si ni comme en faisant sa volonté. Allemand et en le servant de tout vos cœurs. Et pas non, mais ni moi, nous ni mon assez, comment elle a mis ton bibo de tout votre aide. Ici, Moïse parle au peuple d'Israël. Il parle ici et dit à travers toutes ces choses que Dieu vous a fait, qu'est-ce que vous devez nous faire en retour? Il dit, je crois et je sais que toutes les femmes ont changé. Et je ne vois pas que les femmes. Je ne vois plus les mauvais caractères ou bien les anciens caractères. Je prie maintenant pour toi. Et je dis, monsieur, monsieur qui transforme les cœurs, que le Seigneur transforme ton cœur. Que le Seigneur transforme ton cœur. Que le Seigneur change ton ta vie. Que le Seigneur transforme ton cœur. Que change ta vie. Et qu'il promet avec toi. Et tout lien qui te lie, tout lien qui te lie, les liens de famille qui te lient, et tout ce qui te regarde et qui t'empêche de venir à Dieu, de ne pas être fidèle à Dieu, cet esprit, il est déjà allé à l'extermination. Le Seigneur Jésus a déjà déversé sa puissance en toi. Et tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et l'esprit malin, l'esprit mauvais n'a plus d'autorité sur toi. Et le Seigneur déverse la paix dans ta vie. Et dans ton foyer. Et qui te donne l'obéissance. Qui te donne la paix. Qui te donne l'humilité. Et l'humilité et la soumission. Et que ce qui est agréable à Dieu, que cela soit dans ton cœur, dans tes pensées, tout le temps. Et que ce qui est agréable à Dieu soit ta préoccupation au nom de Jésus. Permis que sa prophétie soit réalisée.
Thank you.
priez, il a écouté vos prières. Et voilà, il s'est dit que tout est fini. Nami, il va tout aussi s'étendre. Elle va être tout péché. Et voilà, Nami, il faut m'a goûté mon manou, Yanado. Et à aimer mon Seigneur et mon Seigneur seul. Et moi, c'est pour tout, il m'a prononcé par contre et vous pouvez.